Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, solidaire d'abord, je ne vous ai pas laissé la parole pour dire bonjour, mais voilà, on est trois autour de la table. Et on va parler, à solidaire d'abord, on va parler du MRAP. Alors juste avant qu'on parle du MRAP, donc solidaire d'abord, cette émission qui se fait sur France, sur fréquence 7, solidaire d'abord, pas pareil, différente. Allez, alors on parle du MRAP. Alors le MRAP. Le MRAP, c'est une association qu'on peut trouver sur tout le territoire français, qui existe depuis 47 ou 49, juste après la guerre, et en Ardèche depuis 85, si je me souviens son mot. C'est Damien qui parle. Et donc nous, en tant que MRAP actuel, on travaille en commission, parce que c'est beaucoup plus pratique pour nous. On a une commission juridique, donc ça c'est Jean qui en parlera. On a une commission éducation. On intervient beaucoup dans les écoles, sur les demandes des professeurs, pour parler des discriminations surtout. Et on a une commission aussi événements, qui est assez importante. Et là, on crée des rassemblements, souvent au cinéma Le Navire, avec des films et des débats. Vous allez dans les écoles aussi, alors ? On va dans les écoles, de l'école primaire au lycée. D'accord. Et là, une intervention dans une école, c'est pour dire quoi, en fait ? Ça dépend du professeur et de sa demande. Ouais. Mais en grande majorité, c'est pour parler des discriminations. D'accord. Ouais. Bon, Jean ? Oui, alors moi je peux parler de la commission juridique, et puis c'est tout frais, puisqu'on a une permanence tous les lundis après-midi, donc j'en sors, et un peu fatigué parce qu'il y a beaucoup de situations. Aujourd'hui c'était une dizaine de situations de gens qui viennent, et on est là pour les aider à monter leur dossier pour une demande de titre de séjour, pour essentiellement une demande de titre de séjour ou de renouvellement. D'accord. Voilà un peu le travail de la commission juridique, et on est 5-6 à travailler dessus, et aux permanences, et on est conseillé par un avocat, Maître Zwin, qui vient une fois par an, je crois, Damien, nous faire une formation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les, les lois immigration bougent beaucoup et sont facilement renouvelées. Et donc, voilà, il faut se mettre à jour. Bon, MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et vous avez pris la suite. En fait, à un moment, il y a eu quelqu'un qui venait ici souvent, qui s'appelait Hervé Gio, et qui est décédé récemment. C'était un très bon copain, donc voilà. Je ne peux que lui rendre hommage aujourd'hui. Mais vous êtes parti sur un travail plus collectif, hein ? Voilà, donc, je ne sais pas si c'est moi, Oui, donc bien sûr, Hervé Jo, nous aussi, on lui rend hommage. En novembre, on va arriver à un an là, de sa disparition. Bon, c'est quelqu'un qui a œuvré pour le MRAP et au nom du MRAP sur Aubenas. Avant lui, il y a eu Nadia Curis, que vous connaissez aussi, qui a beaucoup travaillé. Mais on ne va pas refaire l'histoire du MRAP sur Aubenas. Mais par contre, Hervé, on a pris la suite et Hervé prenait, et à juste titre, beaucoup de place parce qu'il était très actif, il faisait beaucoup de choses, et c'était la personnalité MRAP, on va dire, sur Aubenas, et on n'a pas eu, on n'a pas trouvé quelqu'un qui aurait pu faire le travail qu'il faisait, et ça a été peut-être une bonne chose, parce que ça nous a obligés à travailler d'une autre manière, et en commission, donc on a, comme l'a dit Damien, trois commissions, hein, c'est ça, événementiel. On en parlera après pour dire un peu les événements qu'on met en place en ce moment. Éducation et juridique. Un travail plus collectif, quoi, en fait. Hein. Oui, on s'est fait. On est une association collégiale maintenant. Ouais, ça, c'est vachement bien aussi. Alors là, vous êtes évidemment branché sur le sujet de l'immigration. Hein. Bon, voilà. Alors, cette immigration, elle a commencé en France depuis très longtemps, en fait, même interne à la France. D'abord, qu'est-ce que c'est une frontière ? Enfin, on va pas se perdre sur ce genre de sujet. Mais en France, par exemple, les gens du plateau Ardéchois allaient travailler à Bessèges, près d'Alès, sur les mines. L'immigration, je crois que depuis que les peuples existent, les gens ont migré. Hein. Et je le disais,
L'immigration fait partie du vivant. Les plantes migrent, les oiseaux et les animaux migrent. Et pourquoi les humains ne migreraient pas et pourquoi on leur empêcherait ça? En plus, plus matériellement, l'argent migre, hein, dessus les frontières. Oui. Là, il n'y a pas de problème pour passer les frontières pour ce qui est de l'argent. Donc voilà, l'immigration, ça fait partie de la vie, à mon avis, de la vie du vivant. Alors c'est vrai qu'après le fait qu'il y a eu une exode rurale qui s'est passé au moment où l'économie est devenue beaucoup plus industrielle, donc on s'est retrouvé avec des gens qui étaient à la campagne, qui sont devenus ouvriers à l'intérieur des villes, hein, qui ont été utilisés, mais à un moment on s'est retrouvé aussi dans les mines, par exemple dans le nord, à avoir des gens qui venaient de Pologne ou d'autres pays, ou des Italiens par exemple, qui ont été beaucoup là, à chaque fois avec pas forcément bien vu par leurs voisins, hein. On leur a toujours donné plus ou moins des noms d'oiseaux, parce que ça justifie quelque part le fait que, oui, moi je suis pauvre mais je suis d'ici, quoi, hein, quelque part. Alors le pauvre qui vient d'ailleurs, lui, là. Voilà. Et vous œuvrez pour essayer de faire que tout le monde arrive à vivre ensemble, en fait. Au-delà des frontières. Voilà. C'est bien les frontières qui ont fait qu'on a eu des territoires, et que les territoires... alors après, c'est par les départements, les communes, mais si on regarde, et en Ardèche, un peu moins maintenant peut-être, mais il y avait quand même des conflits de commune à commune. Les frontières étaient... voilà. C'est des gens qui ne se parlaient pas, ou parce qu'ils étaient d'une autre commune. Donc voilà. Moi, j'aurais envie de me qualifier d'internationaliste. Oui, voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que, bon, pourquoi les gens viennent là, c'est aussi parce que chez eux, très souvent, il n'y a pas de boulot, ou le boulot est difficile, ou c'est difficile de vivre, en tout cas. Et à un moment, ils viennent chez nous, qui leur avons un peu piqué, peut-être, souvent, des ressources naturelles, un peu, quand même. Il ne faut peut-être pas oublier, quand même, dans l'histoire. Hein. Après, il y a aussi une grosse immigration due à la guerre. Oui. Beaucoup de gens fuient leur pays en état de guerre. On a eu les Syriens, on a eu les Ukrainiens. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui sont aussi en guerre, même si on n'en parle jamais. Mais ces gens-là fuient, quoi. Et singulièrement, les Ukrainiens, parce qu'ils sont blancs, peut-être. Alors là, ça n'a pas trop posé de problème, je ne sais pas. Non, blanc, je sais pas, mais rien que dans administrativement, il y a une différence. Un réfugié politique ou un réfugié de guerre, pardon, lui va avoir directement, très rapidement, bon, il fait un dossier pour l'OFPRA, Office français des réfugiés apatrides, et c'est l'OFPRA qui dit. S'ils ont droit au titre de séjour en tant que réfugiés. Et quand c'est des réfugiés de guerre politique, blancs peut-être pas forcément parce qu'ils sont blancs, mais ils ont une bonne raison de venir. La bonne raison, c'est qu'ils sont en guerre. La bonne raison, c'est qu'ils sont en prison pour leur religion, pour leur position politique, pour ci, pour ça. Le réfugié qui vient de l'Afrique de l'Ouest ou du Bangladesh et qui, lui, vient pour des raisons économiques, comme quoi, moralité, si je, d'une manière un peu provocative, je dirais qu'il vaut mieux mourir dans une guerre ou dans une géole que mourir de faim. D'accord. Alors tout ça, bon, évidemment, ça nous amène à parler des OQTF, obligations de quitter le territoire français. Alors, tu peux nous en parler, Damien ? Oui, alors l'OQTF, c'est un recours administratif qui est donné par les préfectures, à titre discrétionnaire. Il y a le préfet qui décide, en tout état de cause, si oui ou non la personne doit être raccompagnée dans son pays ou pas. Donc l'OQTF, ça concerne, j'ai quelques chiffres, mais je vous les donne, ça concerne 134 280 personnes. En 2022. Mais sur ce chiffre-là d'OQTF qui sont délivrés, seulement 10% vont jusqu'au bout, si vous voulez. On raccompagne seulement 10% de la population. Alors pourquoi des chiffres aussi grands que ça? Parce que, par exemple, en Allemagne, je sais que les OQTF sont beaucoup moins nombreuses. Oui, en France, on bat des records. On bat des records parce que, bon, c'est difficilement prouvable, mais il doit y avoir une volonté politique derrière, qui est transmise de ministère à préfecture. Il y a des quotas à remplir. Il y a aussi, il y a des chiffres.
Oui, mais alors, c'est contre-productif et ça coûte beaucoup d'argent de faire plein d'OQTF et de savoir qu'au bout du bout, il n'y en aura que 10% de respectés. Oui, oui, mais ça coûte beaucoup d'argent parce que la plupart font des recours administratifs. Ouais. Donc, dans les tribunaux administratifs, ils sont submergés par ces recours. Ouais. Mais, et en plus, donc, tout ça, pourquoi 10% d'efficacité. Le problème des OQTF, faut savoir, c'est que pour qu'un étranger puisse être accompagné dans son pays, il faut un laissez-passer consulaire du pays. Et la plupart des pays ne délivrent pas ces laissez-passer consulaires. Donc, on donne une OQTF, mais de l'autre côté, la personne ne peut pas rentrer chez elle vu qu'elle n'a pas ce laissez-passer. Donc, bon, voilà, ça se mord la queue. Ça se discute, ça, je suppose, de pays à pays, diplomatiquement. Diplomatiquement, et puis on sait que, pour ce qui concerne les anciennes colonies, ça coince tôt ou tard, quoi. En ce moment, je crois que c'est difficile avec l'Algérie. L'Algérie, c'est souvent difficile. Ouais. Bah ouais. Mais ça coince normalement avec beaucoup de pays du Maghreb. Ouais, ces OQTF, alors, donc, c'est quand les gens arrivent en France, et il y a systématiquement des OQTF ? Non, pas forcément. C'est compliqué. Jean, tu vas le dire, mais c'est assez compliqué de savoir pourquoi une OQTF. Voilà. Quelqu'un arrive en France, il vient au MRAP ou ailleurs, ça peut être la CIMAD, si c'est la CIMAD, c'est d'autres associations. Mais pour ce qui est d'Aubenas, ils viennent au MRAP, ils demandent à ce qu'ils soient aidés pour monter leur dossier pour une autorisation de titre de séjour. On monte le dossier, et donc c'est la préfecture qui dit oui ou non. Et là, comme disait Damien, derrière, il peut y avoir un recours. Voilà. Mais ce qu'on note maintenant, parce qu'il y a quand même un durcissement, c'est qu'il y a les OQTF qui sont souvent accompagnés d'IRTF, interdiction de revenir en IRTF, interdiction de retour sur le territoire français. Et il y en avait beaucoup moins, et là, il y en a de plus en plus. Oui. Parce qu'en ce moment, quand même, ça a échappé à personne qu'il y a un petit durcissement à la tête de l'État, là. On a un Retailleau. Ça se durcit depuis longtemps. Ouais, et on se demande quand est-ce que ça va. Ouais. À quel point on doit se rapprocher du diamant, là. Ça devient tellement dur que, à mon avis. En gros, moi, j'avais vu que depuis les années 80, tous les 17 mois, il y a une loi sur l'immigration. Oui. Vous voyez, 17 mois, c'est un an et demi, quoi. Ouais. Depuis les années 80. Donc. On s'en sort plus, ça ne veut rien dire, c'est grotesque. On a l'impression que, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le contexte politique actuel, c'est pas rien, je crois que si en ce moment ça se durcit, c'est aussi par ce contexte politique, je veux dire, par la montée du RN qui fait pression, et c'était déjà avec la loi Darmanin, hein, oui. C'est pas que depuis Retailleau. Mais on a l'impression effectivement que chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de l'Intérieur, on peut se rappeler de Hortefeux, de tout ça, comme s'ils avaient une carte génétique immigration dans leur tête. Ils ont besoin, à partir du moment qu'ils sont ministre de l'Intérieur, tu sais, un génome, je sais pas. Et voilà, donc, mais j'en reviens au contexte politique. C'est vrai qu'il y a, on peut pas en faire l'économie, c'est que de l'analyse, c'est que il y a en ce moment un durcissement. Alors, ce qui est très drôle, c'est que, enfin, ça l'est pas, bien sûr, c'est que la loi Darmanin, il n'y a pas encore les décrets d'application, que Retailleau a déjà fait une autre loi. Loi Darmanin qui a été refusée en partie, qui a été retoquée en partie. À part l'AME, peut-être un autre, les articles ont été retoqués sur la forme. Mais à part l'AME, bon, je crois qu'on aura l'occasion plus tard de parler de l'AME. Mais oui, elle a été retoquée. Mais si on fait la comparaison entre guillemets entre ces deux lois, la loi Retailleau, qu'on connaît pas encore, hein, mais qu'on imagine, et puis c'est pas difficile d'imaginer connaissant le personnage, parce qu'il a un passé lui quand même, hein. Oui, bien sûr, donc il vient pas de nulle part. Et la loi Darmanin, déjà la loi Darmanin avait bien durci. Par exemple, je vais donner deux ou trois exemples, enfin deux en tout cas. Avant, dans les critères d'intégration, il y avait l'apprentissage du français. Pour l'apprentissage du français, il y a quatre niveaux, A1, A2, B1, B2. Avant, la loi Darmanin, c'était A1. Avec la loi Darmanin, c'est passé à A2. Et là, on parle de passer à B1.
Bien, c'est niveau collège. C'est-à-dire, c'est toujours de plus en plus difficile d'arriver à avoir le minimum requis. Niveau, A1, c'est le plus bas niveau, et B2, c'est le plus haut niveau. Ouais. Donc, voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, donc, c'est A2, mais si ça passe à B1, ça sera un sacré frein. Pour donc on voit bien que on met des barrières on met des barrières pour que les gens aient de moins en moins facilité. Alors tout ça effectivement plus ou moins dirigé de loin par le RN qui lui n'a pas vu forcément d'obstruction particulière par rapport aux Ukrainiens par contre il en voit beaucoup par rapport aux gens qui sont de religion islam. Oui voilà, c'est ça. C'est ça le problème. C'est quand même assez fou et donc après on se retrouve effectivement avec des pays du Moyen-Orient qui n'ont pas d'aide d'État vraiment et on va se retrouver avec dans l'islam des gens comme du Hamas ou du Hezbollah qui se retrouvent à faire un petit peu ce que faisait la religion catholique en France avant 1905, c'est-à-dire l'aide sociale, l'école, plein de choses. Mais c'est forcément des méchants parce que c'est des gens de l'islam. Si, je sais bien qui c'est qui a parlé du grand remplacement. Oui. Alors, on va parler de cette AME. Ça serait bien parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc l'AME, c'est aide médicale d'État, que la loi Retailleau voudrait remplacer par l'aide médicale d'urgence. Ce qui, à notre sens, est une aberration totale. Je ne vais même pas parler du plan humain, mais rien ne serait-ce que sur un plan économique. Vous imaginez bien que si on prend quelqu'un au tout début de sa maladie et qu'on le soigne, ça coûtera beaucoup moins cher que quand il sera en fin de maladie où il devra aller aux urgences et ça sera l'aide médicale d'urgence. Donc économiquement, c'est une aberration. Si bien que l'Espagne, qui l'avait essayé, au bout de 3 ans, est revenue dessus. Donc, voilà. C'est-à-dire l'Espagne a essayé d'arrêter l'aide. Ça s'appelait pas l'AME, mais ça s'appelait une autre chose. Oui. Mais c'était la même chose. Et au bout de 3 ans, ils ont dit, mais économiquement, et puis pour la santé. Alors je parlais d'économie, mais il n'y a pas que l'économie, ce sont des êtres humains. Et si on a une maladie contagieuse, par définition, les maladies contagieuses, c'est contagieux. Donc ça se transmet. Donc pour la santé. Pour la santé en général, c'est complètement aberrant, mais je ne sais même pas trouver mes mots de pouvoir penser à ça. Alors, moi, il me semblait que c'était intéressant de finir un petit peu votre intervention sur les solutions qu'il aurait pu y avoir, parce que, bon, on sait que le plan Borloo, par exemple, a été refusé par celui qui est au pouvoir depuis 7 ans, par Macron, et c'est dommage, parce que, donc, dans ce plan Borloo, il y avait des choses qui allaient en direction des quartiers, qui auraient peut-être évité qu'il y ait cette économie parallèle dont on peut parler dans les quartiers, vous voyez ce que je veux dire, et puis... En plus, Sarkozy avait déjà éliminé la police de proximité qui permettait peut-être de vivre ensemble un petit peu mieux quand même, de faire du lien social. Un flic qui n'est pas là pour taper sur des gens, c'est original. C'est vrai que ça ne leur plaît pas ou je ne sais pas, enfin, il y a un truc. Bon, c'est vrai que les associations, ça permet aussi de faire du lien. Et c'est vrai qu'avec un Wauquiez, par exemple, à la tête du département, je ne sais pas comment vous vivez. Est-ce qu'il vous a sucré des subventions ou pas? Et puis, dernière petite chose, peut-être les maisons de quartier. Alors là, je sais qu'elle est un petit peu en difficulté. Là, par exemple, Laza, en ce moment. Les maisons de quartier, ça sert aussi à faire du lien. Toutes ces solutions. Le MRAP, on travaillait beaucoup avec l'ASA, avec les jeunes migrants, puisque tu peux mieux en parler que moi, l'histoire du livre. Oui, il était un livre avec l'ASA, avec l'atelier sociolinguistique de l'ASA, il y a 2 ans, effectivement. Donc voilà. Mais tu as évoqué le département, Michel. Je veux dire juste un mot, mais on va aller vite. Le département, donc. Il y a les préfectures qui disent, mais pour ce qui est des mineurs non accompagnés, qu'on dit MNA, qu'on appelait avant mineurs isolés, ils arrivent à leur minorité,
quand leur minorité est reconnue, ils sont pris en charge par le département dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Mais notre président du conseil départemental, Monsieur Amran, que je n'aimerais pas, mais on peut, Monsieur Amran, il estime lui que les gens qui arrivent n'ont pas forcément la minorité, donc il les reconnaît pas mineurs, donc ils sont majeurs pour lui, et donc ils sont pas pris en charge par le département, et donc ils se retrouvent à la rue. Donc, et les préfectures et le département sont des institutions qui font des SDF, parce que quelqu'un qui est à la rue, il est SDF. Voilà. Donc oui, là il y a de l'exclusion, c'est un choix politique. C'est un coût économique, mais il y a d'autres coûts économiques. On donne l'argent, je ne veux pas faire de l'antichasse, mais on donne l'argent aux chasseurs, on donne l'argent à ci, à ça. Voilà, je veux dire, il y a plein d'occasions que le département a donné, a plein d'occasions pour donner de l'argent à d'autres associations ou autres qui n'ont pas la même utilité, enfin pour nous en tout cas. Tous ces gens-là, ils sont à LR, hein, c'est bien ça. Hein, oui. Et donc, LR, ça facilite le lien social. Hein, bon. Alors, c'est vrai que vous avez à peu près. Vous n'avez pas fait le tour, loin de là. Hein. Est-ce que vous avez encore un mot à dire? Moi, je voudrais juste rajouter que l'immigration, c'est 10% de la population française. Ouais. Et ça n'a pas changé depuis 40 ans. Ouais. Parce qu'on parle toujours de ceux qui arrivent, mais il y en a beaucoup qui repartent, quoi. Ouais. Volontairement, j'entends. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est toujours le même pourcentage. Exactement. Et c'est bien. Je crois que c'est bien de le rappeler que les gens l'entendent. Oui. Alors moi, je vais faire juste un petit point. J'ai pas beaucoup de temps sur ce qui se passe en ce moment. Alors c'est vrai que bon, par exemple, Coquerel est venu nous expliquer que il y a des niches fiscales. Donc crédit d'impôt recherche, par exemple, qui a été alloué à certaines entreprises, Sanofi entre autres. Suivez mon regard, 7 milliards d'euros. Deuxième chose, par exemple, les avantages pour le personnel de maison, c'est-à-dire les gens qui sont très riches, qui vont prendre du personnel de maison et qui vont peut-être en prendre aux blagues à certains moments. Hein. Quand c'est payé, ben, il y a 6 milliards d'euros à récupérer. Quand même, les petites niches fiscales, c'est pas rien. Hein, là. La CMA, CGM, le fret maritime, etc., a la possibilité de mettre de l'argent de côté sans que l'État le récupère. Bon, voilà. L'avantage pour les riches depuis 2017, c'est 62 milliards par an. Suivez le regard, on a combien 60 milliards de dettes là, à récupérer. C'est curieux, hein, c'est exactement la même somme. Mais là, c'est par an, tu vois, c'est chaque année depuis 2017. Alors, ça devait théoriquement favoriser l'emploi industriel. Sauf que depuis en 2017, l'emploi industriel représentait 16,4% de l'emploi. En 2023, ça ne représente plus que 15,5%. Donc la faute, ça n'a pas marché du tout. Hein, voilà. Ça devait aussi faire baisser le chômage. Alors c'est vrai qu'en 2023, on a rayé 100 000 personnes des allocataires du chômage, mais comme ça, un trait de plume. Donc on voit que l'argent a servi à quelque chose. Là. On se retrouve dans un pays qui a 700 000 emplois Uber, donc les gens qui sont extrêmement smicardisé, hein, donc ça va pas du tout. Et puis, dernière petite chose, par rapport à ce que nous dit Barnier, entre autres, la masse salariale de la fonction publique est stable. Ça fait penser aux chiffres que tu disais sur l'immigration. L'immigration ne bouge pas, elle est stable. Donc arrêtez de nous bassiner avec des conneries, quoi. Allez chercher les vrais chiffres. Et je vous assure que c'est des vrais chiffres. La masse salariale de la fonction publique est stable. Donc, c'est pas là qu'il y a du pognon à récupérer. Et là, on va baisser encore un petit peu ce qui est donné à la fonction publique. Enfin, c'est fou, quoi. David Lisnard, LR, dénonce le fait qu'il y a 5 milliards d'économies qui vont être prises sur les collectivités locales avec le budget Barnier. Mais il dit Macron, il fait du n'importe quoi qu'il en coûte. Alors voilà, il se moque de lui, mais par ailleurs, David Lisnard, qui est LR, il est pour la retraite par capitalisation. C'est-à-dire qu'il trouve qu'on a trop de prélèvements obligatoires. Donc à la place, il voudrait que la retraite soit, financiarisée. C'est-à-dire, c'est plus le prélèvement obligatoire, c'est le prélèvement consenti.
tu sais. Mais comme il n'est pas mutualisé, eh ben, finalement, ça te coûte plus cher. Mais c'est pas grave, ça ne sera pas les prélèvements obligatoires de l'État. Enfin, bon. Donc les mecs, ils font leur petit caca merdeux là-dessus. Et voilà. Une mutuelle coûte 30% plus cher que la sécurité sociale. Parce qu'une mutuelle, c'est mutualisé, quoi. Voilà. Voilà. Et quand l'école. Alors, à quand l'école sans dotation d'État, parce que comme ça, là, voilà, ça coûtera moins cher, il y aura moins de prélèvements obligatoires. À quand l'hôpital payant, enfin tout ça, 4000 postes supprimés. Bref, je vais arrêter ma litanie. À bientôt. Bon courage. Bonne semaine. Bonne quinzaine. Ciao. Merci, monsieur.